Alors, si on vous a diagnostiqué une arthrose du genou, il faut d'abord savoir que l'arthrose du genou, c'est une des principales douleurs de genou après 50 ans. Ce n'est pas un diagnostic qui est très grave, mais c'est un diagnostic qui peut être très embêtant pour la vie quotidienne et c'est la raison qui vous a amené à ce diagnostic. Première chose, le principal traitement de l'arthrose du genou, c'est un traitement qui va être dit non pharmacologique, c'est-à-dire on ne va pas faire recours à des médicaments. Le traitement, c'est garder une activité physique, ne pas être sédentaire et éventuellement se faire aider, soit par un coach en activité physique adaptée, mais le plus souvent, on fait appel aux kinésithérapeutes qui font ça très bien et qui peuvent vous aider dans la rééducation et la gestion de vos douleurs. Le traitement médicamenteux, il va être vraiment réservé aux poussées inflammatoires ou aux poussées douloureuses qui peuvent survenir ou à vous aider justement à débuter une activité physique régulière. Et dans certains cas, mais vraiment pas c'est pas le plus fréquent, on a besoin de faire des infiltrations intra-articulaires, c'est-à-dire qu'on met une aiguille à l'intérieur de l'articulation pour injecter un anti-inflammatoire ou un produit à base d'acide hyaluronique, etc. Ça, c'est vraiment pas la majorité des patients, et c'est vraiment les patients les plus douloureux chez qui on n'arrive pas à contrôler les douleurs, ou alors qui ont vraiment une grosse poussée inflammatoire, et cette infiltration va leur permettre de passer le cap, toujours dans l'idée de garder une activité physique régulière et de pouvoir faire de la kinésithérapie efficace. Il y a des traitements qui sont en cours d'étude, mais ça, c'est vraiment pour les prochaines années. Et si vraiment on n'arrive pas à contrôler les douleurs avec l'ensemble de ces thérapeutiques-là, faut éventuellement consulter un rhumatologue pour vous orienter, voir si le traitement a été bien réalisé. Sinon, généralement, on demande l'avis d'un chirurgien orthopédiste, mais c'est vraiment au stade ultime de l'arthrose. Et ça concerne encore une fois qu'une minorité de malades, donc la plupart des patients garde une arthrose bien contrôlée avec un traitement non pharmacologique, un traitement médicamenteux très ponctuel et éventuellement, si besoin, des infiltrations au coup par coup.